Salut les amis! Oh là, j'avais cassé. Bienvenue à ce vlog numéro 5. Aujourd'hui, je vais me lancer sur plein de petites tâches en fait. Bon, hier c'était cool, j'ai fait les WC. D'ailleurs, en faisant le montage, j'ai revu que je vous avais dit, ouais, dans la salle de bain, il faut que je fasse ça, 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 ça. Au final, j'ai fait que les WC. Dans toute la journée, je n'ai fait que les WC. Mais c'est pas grave. Je suis devant l'ordi. Ben voilà, j'ai toute une liste de petits trucs à faire. Ben voilà, je vais commencer par problème miroir. C'est que des petites choses, mais faut les faire. Donc ça va être, voilà, plein de petits à-coups. J'ai pas bu mon café. Ma cafetière, elle a plus de batterie. Je suis en train de la charger. Bon, le miroir, je vois quel est le problème, mais je vais juste faire une bidouille, enfin une bidouille, je vais faire une réparation de maison, quoi. Comme je vous disais, le miroir, là, il est tombé, il est sorti du cadre, parce qu'en fait, c'est ces espèces de pieds, là, en plastique, qui sont censés le maintenir, ça. Mais je pense qu'avec les vibrations, ça bouge un peu trop, et ces pieds, ils ont sauté, et même si je les remets, j'ai peur que ça tienne pas. Alors que si je mets une vis, voilà, une vis noire assez jolie, en travers du bois... Là, ça devrait tenir. Faut que je vérifie en fait que ça touche pas le miroir, quoi. Il faut que ça tienne sans toucher le miroir. Mais au moins là, ça bougera pas, quoi. Effectivement, j'ai vérifié. Là, j'ai monté mon miroir au maximum. Et là, j'ai un petit espace. J'ai pas beaucoup. Vous voyez, bon, je rentre quand même pas mal le doigt. J'ai tout ça d'espace. Donc, je vais mettre une vis là le plus bas possible, qui va traverser et rejoindre l'autre partie en face de bois. Comme ça, ben, le miroir pourra plus sortir. Bon, je vais vous rappeler tous les trucs que je vais faire comme ça. En fait, je voulais faire un petit truc, puis vous dire ce que je fais après. Un petit truc, vous dire ce que je fais après. Le problème, c'est comme dans le montage, je mets de la musique quand je fais du bricolage. Ça va faire musique coupée, musique coupée, musique coupée. C'est très chiant. Donc, je vais tout vous dire d'un coup et je vais tout faire d'un coup. Voilà, ce sera une vidéo en musique. Alors là, je viens de mettre visser bord de fenêtre salon cuisine. Donc ça, c'est le prochain truc que je vais faire. Jointer plan de travail, non, je ferai après. Les barres pour tenir les savons de la niche, ouais, peut-être que je vais faire ça, je pense, ce matin. Baguette niche douche, ouais, faut que je le fasse aussi, mais j'ai la flemme, les baguettes, ça m'énerve. Box pour les sciures des toilettes, pourquoi pas, ouais, fabriquer la box. Joint, plaque noire, pareil, c'est du joint. Fixer les volets isolants en haut. C'est dans la chambre, ça. Finir tour de fenêtre, fond chambre, ouais, tout ça, c'est dans la chambre. Bon, bref, de toute façon, vous verrez bien ce que je fais. Hein. Alors, j'ai fait Leroy Merlin et Castorama, parce que je croyais pas tout ce que je voulais à Leroy Merlin. Surtout, en fait, un truc que j'ai galéré à trouver, c'est ça. Ah, ce qu'on appelle des nez de cloison. Vu que ma cloison de la salle de bain, donc en fait mon tour de porte de la salle de bain, eh ben, il est moche quand on voit chaque strate de bois de ce que j'ai mis. Donc, il va falloir que je mette ce nez-là. Et en fait, ma cloison, elle fait exactement 62 mm. Et j'ai vraiment eu du mal à trouver un nez de cloison de 62 mm. En fait, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé ceux-là qui font à peu près 60. Entre 58, 59, 60. Donc, c'est trop petit. Mais sinon, après, ça passait à 70, quoi. Donc, ça allait pas. Donc, j'espère, vu qu'à l'intérieur de la salle de bain, j'ai du PVC, c'est vide à l'intérieur. Donc, j'espère que je vais pouvoir compresser un peu et le rentrer de force. Sinon, il faudra que je le ramène et je ferai totalement autre chose. Je pense que je mettrai une plaque et des baguettes. Mais c'est sûr, si je peux mettre ça, ça rentre en un bloc et c'est beaucoup mieux, quoi. Et soit je le laisse brut, ça fera penser au plafond, soit je le peindrai. Ensuite, je vais chercher des baguettes noires. Je vais chercher une grosse baguette blanche et ça, des plats en PVC. Parce que dans la salle de bain, je vais mettre des plinthes en PVC, mais ça n'existe pas, enfin, en tout cas, je n'avais pas trouvé. Et à la place, j'ai pris ça, c'est une espèce de gros champ plat en PVC que je vais utiliser comme plinthe. Et je suis passé devant par hasard et j'ai acheté ça, un extincteur de 2 kg. Et pour la petite info, pour les extincteurs dans les véhicules aménagés, il faut mettre des extincteurs.
qui répondent aux normes NFMIH ou NFMIC. Et sur ces bouteilles-là, il y a marqué NFEN3-7. Et voilà, il y a marqué NF, ce que je vous ai dit avant, ou équivalent. Et ou équivalent, enfin, ça veut rien dire, c'est quoi équivalent? Donc il a fait faire des recherches que j'arrive à trouver avec le vendeur, on a cherché. Et en fait, ils disent que le NFMIH correspond à 13A89B. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est écrit là. Bon bref, il y a marqué 13A89B, donc a priori ça correspond. C'est minimum 1 kg, moi j'ai pris 2 kg parce que c'est quand même un gros véhicule qu'on a. Et extincteur à poudre. Voilà, c'était pour la petite info. J'ai acheté de la bande velcro. Alors c'est juste la partie qui scratch, c'est pas l'autre partie, c'est pas pour mes rideaux, c'est pour mettre des moustiquaires aux fenêtres. Et de la colle spéciale PVC. Voilà, comme ça je vais pouvoir avancer. Arrêter ma journée là. Je pense que la vidéo sera courte. Chaque fois que je dis ça, finalement, elle est pas si courte. Mais là, pour le coup, j'ai pas beaucoup filmé, ça sera sûrement court. Grosso modo, si on part du fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cette box. Alors là, oui, vous allez me dire, touche pas au plafond, mais c'est parce qu'avec cette forme, c'est impossible de faire toucher le plafond, ça peut pas se déformer. Donc derrière, j'ai mis une baguette. Ça se voit pas, mais au moins, ça empêche la lumière de passer. Le but, c'est ce que je dis, c'est de faire comme dans les hôtels. Vous voyez, le haut du rideau, il est caché par cette espèce de box, et au moins, la lumière ne passe pas au-dessus du rideau. En tout cas, moins. On avance un peu, j'ai fait là, le tour de fenêtre, enfin le tour de la sortie de secours, il y a juste cette partie encore, je sais pas comment je vais la faire. Au niveau de la porte, je l'ai re-réglée parce qu'avant elle pouvait sortir, ici il y a des petits bitonios là, qui empêchent que ça sorte, en fait ils étaient trop petits, ce qui fait que en sautant, en levant la porte, on pouvait la sortir. Et maintenant on peut plus, donc c'est bon. J'ai aussi réglé le cran, quand elle a reculé, des fois elle a déraillé, donc maintenant j'ai mis le cran pour pouvoir moins la reculer. Dans la salle de bain, est-ce que je peux ouvrir un peu?
Dans la salle de bain, j'ai fait ben, ça, le tour de ma box. Il me reste encore ça à mettre ici, que je fais un peu plus court, qui va faire la taille de la box, qui va servir à ben, retenir les savons. Il faut que je refasse les joints là. Ça, c'est une de mes prochaines missions. Et nettoyer le calcaire aussi. L'eau est ultra calcaire. C'est un truc de dingue. Mon petit miroir aussi, que j'ai mis des vis. Comme ça, maintenant, c'est bon, il ne tombe plus. J'ai mis mon premier nez de cloison. J'ai galéré à le mettre parce que, bah, comme je vous disais, l'espace était trop petit. Du coup, il était trop petit, quoi, le nez de cloison. Donc, j'ai dû forcer, en fait, ici. J'ai dû aller écraser le PVC pour pouvoir rentrer dedans, quoi. J'ai dû l'écraser. J'ai vraiment, vraiment galéré. Donc, au final, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai le mur. Je l'ai coupé en angle pour que ben, il rentre et qu'il glisse jusque dedans, quoi, parce que sinon je pouvais pas tirer et aller le rentrer, j'y arrivais pas. J'ai aussi passé un temps de dingue là-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu un problème, j'avais une fuite, ce qui fait qu'il y a de l'eau là qui était passée par là, donc qui venait de la salle de bain, et là ça avait moisi le mur, et tout ça là c'était moisi. Du coup je l'avais séché, je l'avais bien nettoyé, j'ai mis du vinaigre blanc, mais il y avait encore du moisi, ça continue à proliférer. Donc là j'ai bien frotté avec de l'acétone pour enlever la colle. Là, sur les vidéos, on dirait que c'est vachement noir là, alors qu'en vrai, ça n'est pas tant que ça. C'est beaucoup plus clair que sur la vidéo. Enfin bon, j'ai mis de l'acétone et j'ai bien frotté pour enlever la colle. Ensuite, j'ai passé la ponceuse partout. Et maintenant, il faut que j'aille acheter du vinaigre blanc parce que j'en ai plus. Donc, je vais faire un mélange vinaigre blanc et bicarbonate de soude. Et je vais frotter bien tout. Ensuite, je vais bien sécher à la serviette et au sèche-cheveux. Et puis, je pourrais recoller mon lino. Parce que là, si je recolle le lino alors que c'est moisi en dessous, dans 3 mois, on marche, on traverse le sol, à mon avis. Voilà. Moi, j'ai quand même passé la moitié de la journée dehors, au final, entre le Roi Merlin et Castorama, pour essayer de trouver tous les trucs qui me manquaient, les baguettes, là, les nez de cloison, j'ai acheté des champlats, enfin, tout le truc que je vous ai montré, j'ai passé pas mal de temps. Donc, demain, j'espère que je vais enfin pouvoir passer une journée entière à bosser et pas devoir sortir à chaque fois pour acheter des trucs qui manquent. Là, j'ai de tout partout par terre. Et au moins, ben, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai toutes les colles, là, j'ai tout. Ah non, il me faut du vinaigre blanc. Bon, ça attendra. Bref, eh ben, du coup, je vous laisse. Je vais à la douche, je vais manger, je vais faire le montage, je vais bosser et je vais au dodo. À demain! Song dancing to